Le soleil brille sur la ferme de noix de pécan de Randy Hudson, au cœur de la Géorgie. Et lui a besoin d'une forte reprise saisonnière après une longue période morne. De temps à autre ici, ce fut un enfer ces dernières années, et bien davantage cette fois-ci. Il a replanté après avoir perdu quelques 20% de ses arbres les plus productifs lors d'un ouragan. Et financièrement, il est encore tourmenté par les droits de douane entre la Chine et les États-Unis. Et ce fut particulièrement difficile considérant qu'il vend 85% de ses noix à la Chine. Et puis nous sommes entrés dans cette année se disant que tout irait bien. Eh bien, pas du tout, et le Covid est arrivé. D'ordinaire, il a une quarantaine d'employés présents dans ses champs, un chiffre désormais réduit de moitié. Les réunions de sécurité sont une routine sur ses champs. On sait qu'il ne faut pas venir au travail si on a de la fièvre, d'accord? Et on garde les distances. Ici à la ferme, il y a des centaines et des centaines d'hectares de distance sociale, ce qui n'est pas un problème, bien sûr. Mais Hudson s'inquiète pour sa famille, en particulier ses petits-enfants. Et comme beaucoup de gens aux États-Unis, il se demande quand l'économie repartira et à quoi ressemblera la nouvelle normalité de vie. Le travail continue et Hudson dit que tout se présente bien. Ce que vous voyez, ce sont de petites noix de pécan. Elles viennent juste d'être pollinisées. Mais le spectre du virus est imminent et Hudson se demande qui achètera ces noix après la récolte d'automne. Je suis davantage inquiet d'une reprise de l'économie, pas qu'ici, mais dans le monde entier, pour que l'économie reparte et que la vie des gens revienne à la normale. Décontracté et intelligent, Hudson est titulaire d'un doctorat. Il est l'un des pionniers à avoir lancé la pécan sur un nouveau marché il y a plusieurs décennies, la Chine. Ils lui ont en fait donné un nom, et ce nom largement répandu en Chine est Bigangguo. La Chine et les États-Unis, ces deux principaux marchés lourdement touchés par le coronavirus. Et comme beaucoup, ils s'inquiètent d'un possible retour de la maladie à l'automne. Jusqu'à ce que nous ayons un vaccin, le virus sera présent. Nous devons juste accepter le fait que les gens vont tomber malades. Il pensait réaliser un chiffre d'affaires de 50 millions de dollars. Mais si la science et le sens commun ne battent pas le virus, alors l'automne pourrait amener à une amère récolte.